Quand on regarde à l'échelle de la planète, il va de soi qu'il faut distinguer entre la disponibilité en eau douce de manière générale et la disponibilité en eau potable à l'état brut. Sur le plan de l'eau potable, je dirais que grosso modo, on a une réitération de la fracture nord-sud que l'on a retrouvée pendant longtemps dans les thématiques de développement. C'est-à-dire que plus un pays est développé, plus il est modernisé ou moderne, et plus il a les moyens d'injecter des fonds dans les infrastructures hydrauliques, et moins il aura de problèmes en matière d'accès à l'eau potable. Par contre, les pays les plus démunis sur le plan de la technologie et sur le plan du développement des infrastructures sont pour leur part beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus soumis à des déficits en termes d'accès direct à l'eau potable. Donc, à partir de là, on peut très facilement esquisser les logiques globales en estimant qu'au niveau des pays de l'Union européenne, ainsi qu'aux États-Unis ou au Canada, et ainsi que dans certains pays asiatiques, quoi qu'il en soit, on a grosso modo un accès direct à l'eau potable qui ne fait pas vraiment problème, sauf à quelques exceptions près. Par contre, là où la situation est la plus critique, c'est au niveau du continent africain de manière générale, au niveau du Proche et du Moyen-Orient, qui sont des régions qui souffrent à la fois, ou qui est une région qui souffre à la fois d'un déficit en termes d'eau à l'état brut de manière générale, ainsi que de difficultés à s'approvisionner en eau potable de manière directe, et paradoxalement l'Amérique latine, qui pour sa part a des châteaux d'eau incommensurables, mais qui en contrepartie paye le prix par contre d'une mauvaise infrastructure et d'une mauvaise gestion de l'eau par le fait que finalement l'eau potable, je dirais, n'est pas aussi, ne coule pas aussi abondamment que l'on pourrait le croire de prime abord. L'un des grands problèmes qui prévaut aujourd'hui dans toute la réflexion liée à l'eau et à sa disponibilité à l'échelle internationale, c'est tout simplement sa gestion. C'est-à-dire que d'une part, on a effectivement un déficit juridique qui fait que tout le monde est conscient de ce qu'il y a un droit d'accès à l'eau ou un droit à l'eau, parce que l'eau nous sert à vivre, tout simplement. Mais en contrepartie, on n'a pas de reconnaissance de ce droit à travers des textes ou à travers des codes juridiques. Donc à partir de là, le droit d'accès à l'eau est beaucoup plus suggéré qu'il n'est concrétisé par un texte spécifique ou un texte lié directement à la question. Et donc, si on injecte cette tendance-là ou ce fait-là dans la réflexion sur l'évolution globale des modalités gestionnaires de l'eau, il va de soi que l'un des plus grands enjeux à l'international, c'est la manière par laquelle les entreprises du secteur privé pourrait peser de plus en plus sur les modalités gestionnaires hydrauliques. Alors, il faut peut-être casser quelques idées reçues, quoi qu'il en soit, à savoir que si l'on a vu, évalue, pardon, la donne à l'échelle internationale, il s'avère que moins de 15% des types de gestion à l'international sont détenus par des compagnies privées. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en contrepartie, c'est que la tendance pour le privé à vouloir avoir la mainmise de plus en plus sur le secteur de l'eau à l'international est bel et bien engagée. C'est une volonté d'expansion de la part de ces mêmes entreprises. Et le point fondamental, c'est que contrairement à un État, une compagnie ne cherchera à peser dans un domaine que si elle pourra faire du bénéfice. Donc en l'occurrence, les modalités de gestion étatique que l'on a aujourd'hui en France, en l'occurrence, montrent que le bénéfice est bel et bien présent, que ce soit pour l'État ou même pour des compagnies privées qui ont la gestion de l'eau en main. Mais en parallèle, imaginons, hypothèse extrême bien entendu, mais imaginons que le monde entier venait à être régi par les seules compagnies privées de l'eau, et bien à partir de ce moment, je dirais que l'aboutissement ultime de cette logique, ce serait de dire qu'aucun citoyen ne pourra boire de l'eau s'il n'a pas les moyens de payer directement cette eau. Et c'est là qu'on serait dans une aberration complètement inhumaine, bien entendu. Alors, quand on se penche sur les perspectives qui prévalent en ce début de troisième millénaire, il s'avère que de plus en plus, on voit que l'eau devient un souci majeur, non seulement pour des sociétés ou des populations étendues et nombreuses, mais également pour des États qui se disent qu'à partir du moment où ils n'ont plus la mainmise ou l'accaparement en leur faveur de ressources d'eau douces conséquentes, eh bien, il y aurait le risque pour leur population de se retourner contre ces mêmes gouvernements et donc de les déstabiliser, de les faire tomber. Donc c'est un souci majeur dont on a pris conscience depuis maintenant une bonne trentaine d'années, mais qui pourrait dans les prochains temps pousser certains États à marquer des politiques ou à marquer des stratégies assez violentes ou assez coercitives suivant le besoin. Alors il est dur de dire quelle sera la prochaine guerre pour l'eau, dans le sens où l'eau ne pourra que difficilement être un élément entier et intégral d'une guerre, soit entre États
soit même au sein même d'un même territoire, et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, puisque les risques sociaux restent présents, et rien n'empêche de voir deux populations d'un même pays se confronter, entrer en confrontation pour des motifs hydrauliques. Mais dans le même temps, je dirais que sans savoir quelle serait la prochaine région du monde dans laquelle on pourrait assister à ce type de guerre, il n'en demeure pas moins que dans mon évaluation, ce sont peut-être les évolutions du monde nilotique qu'il faudrait voir de plus près. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau des eaux du Nil, on a une gestion qui est, je dirais jusqu'à un certain point, abusive, dans le sens où l'Égypte s'accapare l'essentiel des eaux du Nil, alors que c'est le dernier pays sur le cours de ce même Nil, c'est le pays le plus en aval du Nil. Et en parallèle, il ne faut pas oublier que si l'Égypte a réussi à maintenir ce statu quo jusqu'à présent, c'est parce qu'elle avait un avantage militaire et diplomatique en sa faveur. Or, les choses sont en train de changer dans cette région du monde. De surcroît, il ne faut pas oublier que le Soudan est vraiment confronté à un risque de partition, à un risque d'éclatement, tant pour ce qui concerne les revendications de différentes formations du sud du Soudan, par exemple, que pour ce qui concerne les évolutions du Darfour. Et à supposer que le Soudan connaisse une partition, la réalité géopolitique de la région pourrait faire que l'Éthiopie, qui est à la source de 80% des eaux du Nil, pourrait opérer des prélèvements supplémentaires sur les eaux du Nil, cas dans lequel non seulement les Soudanais, mais surtout les Égyptiens pourraient être tout simplement embarrassés ou coincés dans la possibilité pour eux d'exploiter une eau qui est tout simplement vitale, ou des centimètres d'eau qui sont tout simplement, pour chacun d'entre eux, vitaux pour ses propres intérêts. Donc c'est une hypothèse, je ne sais pas si elle sera vraie, j'ose espérer qu'elle ne soit pas vraie en tout cas, mais indépendamment donc de ce cas du monde nilotique, je dirais que de manière générale, d'une manière ou d'une autre, les conflits peuvent prévaloir, mais par contre, tant que les options politiques seront existantes et encouragées, et tant qu'on fera la promotion d'organisations intergouvernementales de gestion et de négociation autour de la répartition des enjeux de l'eau, il n'y a pas de raison de croire à une guerre inéluctable en matière d'eau.